Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer donc une suite des compressions de mollets. Et cette fois-ci, ça sera à partir de la garde, c'est-à-dire mon adversaire. Je suis dans sa garde ouverte, je suis précisément dans sa de la riva. Comment faire pour contrer sa de la riva avec une compression de mollet? On y va. Mon adversaire est sur le dos. Il me met son crochet de la riva. Ok. Là, première chose, je vais faire sauter le crochet. Donc, j'ai les mains au niveau des tibias. Je tends ma jambe, j'oriente mon genou vers lui, d'accord, vers son genou pour faire sauter le crochet. Là, grand step en arrière, je prends et j'avale sa jambe, juste le bout de pied. Je glisse, je prends les orteils et là je roule, ok. À partir du moment où j'ai roulé à l'intérieur, j'ai passé mon bras devant sa cuisse, ce qui me permet de pouvoir encercler justement cette cuisse à ce moment-là. Je viens fermer mon triangle et là je vais tirer sa hanche à moi et je vais pousser, je vais ponter avec mes hanches à moi. En fait, je rapproche mes hanches des siennes. Boum, pour faire taper mon adversaire. Encore une fois. Ici. Donc, de la riva, je pousse ses genoux, je tends ma jambe, j'oriente mon genou. Ici, je ne vais pas trop loin. Juste, je prends le bout de pied. D'accord. Si vous allez trop loin, vous n'allez pas avoir la possibilité de vous caler correctement entre ses jambes. Je glisse, je prends ses orteils. Mon bras rentre vraiment devant sa cuisse et je roule ici. D'accord. À partir de ce moment-là, hop, je ferme mon triangle, je ramène sa hanche à moi et je pousse ma hanche à la sienne. Là, hop, et je fais ma compression de mollet. Ok, à vous.